Salut à tous, Eric Legault chez Galago Music. Pour vous aujourd'hui, Imagine de John Lennon, morceau qui est sorti en 1971 sur son album éponyme, donc il s'appelle Imagine, et qui, la chanson en elle-même, a été classée par le magazine Rolling Stone la troisième meilleure chanson de tous les temps. Voilà, rien que ça, donc c'est pour vous, c'est pour aujourd'hui. Également un petit coup de pub, Valerio Messano, qui a ouvert un blog musical assez récemment, blog qui regroupe en fait les jeunes musiciens de talent qu'il a pu rencontrer sur les réseaux sociaux ou autres. Je trouve l'initiative excellente. Donc vas-y Valerio, fonce. Voici l'adresse de son blog, allez le visiter. Il faut que voilà, ce genre d'événement tourne, voilà, faut que ça se diffuse quoi. Je vais essayer pour ce cours de ne pas faire une demi-heure, hein, je vais réduire au maximum. C'est pour ça que j'arrête de parler et que je vous montre tout de suite les accords et comment qu'on fait tout ça. Alors au niveau des accords, il y en a 9. Voici le premier, c'est Do majeur. Alors Do majeur, tranquillou, hein, l'annulaire troisième case du La, de la corde de La. Le majeur deuxième case de la corde de Ré, vous sautez la corde de Sol et l'index première case de la corde de Si. Le pouce par-dessus le gros Mi pour bloquer sans trop appuyer. Hein, et vous grattez le tout, voilà. Ce Do majeur deviendra Do majeur 7 en enlevant l'index. En langage musicologique, le Do majeur 7, on peut le noter maj 7 ou bien avec un petit triangle. Voilà, si vous avez déjà rencontré ce truc-là et vous ne saviez pas, le triangle, ça se prononce majeur 7. Et ça sonne comme ça. Un accord plutôt sympathique. Ensuite, nous avons l'accord de Fa. Alors, pour cet accord-là, nous avons plusieurs possibilités. Celle sur laquelle je voudrais que vous travailliez aujourd'hui, c'est ce positionnement-ci. Comment que je fais? Je mets l'index en première et première case des cordes de Si et Mi, les deux aigus, bim. Bon, jusque-là, ça va. Ça commence à se corser quand on rajoute le majeur à la deuxième case de la corde de Sol. Parce qu'il ne faut pas que ce doigt-là vienne troubler. Il ne faut pas trop le baisser, parce que sinon, ça va étouffer le Si. Et on veut vraiment avoir chaque note distinctement entendue. Bim. Et il faut rajouter encore un doigt, celui-ci. L'annulaire en troisième case de la corde de Ré, voilà. Donc là, il faut que vous ayez cette sonorité. Il se peut que vous galériez un petit peu à faire sonner cet accord, c'est normal. Prenez le temps, parce qu'il nous servira dans pas mal de situations. Une fois que vous avez ça, déjà c'est pas mal, vous pouvez également, si vous voulez, soit bloquer le gros Mi en faisant toucher le pouce sur la corde du gros Mi, donc... Voilà, le top étant si en plus ce doigt-là peut frôler la corde de La pour la bloquer. Comme ça, on a vraiment que les quatre sons. Ou également appuyer avec le pouce pour faire sonner la première case qui est la note Fa. On aura un accord de Fa, basse Fa. Fa grave, quoi. Voilà, nous trouverons également un accord de Fa, basse Mi qu'on peut faire de deux façons. Soit on fait cet accord-là et il nous suffit d'enlever le pouce pour avoir basse Mi et l'accord de Fa. Si jamais ce positionnement-là vous embête, on peut faire également ça. L'annulaire va descendre d'une case sur sa gauche, ce qui donnerait en fait 2, 2, 1, 1. Ça sonne comme ça. Après, nous aurions du Ré mineur. Alors Ré mineur, ça se passe comme ça. Toujours le pouce par-dessus pour bloquer. Le petit doigt, de préférence, en troisième case. On peut le faire avec l'annulaire éventuellement, mais pour l'accord d'après, ce sera plus simple, je pense, de placer celui-ci. Première case du Mi, du petit Mi, toujours près de la frette à hein, chaque fois pour avoir un son max, un son bien. Troisième case avec l'index, avec le petit doigt, pardon. Et deuxième case de la corde de Sol avec le majeur. Voilà, Ré mineur. Ensuite, nous aurons Ré mineur basse Do. Donc l'annulaire va nous servir ici pour appuyer sur la troisième case de la corde de La. Après, nous aurons un accord de Sol. Vous pouvez faire comme ça. Troisième case de la corde de Mi, deuxième case de la corde de La, 3 et 3 des deux dernières cordes aiguës. Si vous connaissez le Sol sous cette forme-là, ça marche aussi. C'est même peut-être plus pratique, parce qu'après on aura un accord de Sol 7. Sol 7, c'est ça. C'est 3 de la corde de Mi, 2 de la corde de La, rien, 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 et première case de la corde du petit Mi, ici. Voilà. Et nous aurons également à un moment donné un Mi majeur. Fastoche comme tout, hein. Deuxième case de La, deuxième case de Ré, première case de Sol. Et vous grattez tout. Et voilà, avec ça, vous êtes paré pour la main gauche. Maintenant, on va attaquer ce qui sert d'intro et de couplet avec le petit riff super sympa, là. Alors, intro et couplet. Pour faire l'intro, vous vous placez sur le Do majeur à la main gauche. Les accords que nous aurons. Alors déjà, on va le faire en version soft. Vous grattez trois fois l'accord de Do. 1, 2,
enlève l'index. Quatrième temps, c'est ça. Ensuite, on fait la position du Fa majeur. 1, 2, 3. Suivi du petit riff qui va faire ça. Oh, comment j'ai fait? Parce qu'on voit rien là. J'étais en Fa. J'ai fait mes trois coups. 1, 2, 3. Je garde le majeur là où il est, en deuxième case de la corde de Sol. Et à la main droite, je vais gratter la corde de Sol pour faire 2, 3 en retour ou deux coups vers le bas. C'est pas trop grave à la limite. Moi j'ai plus tendance à faire des allers-retours systématiques dès que j'ai deux notes sur la même corde. Et dès que vous avez fait 2, 3, le Si est vide. Donc La, La dièse, Si. Ce qui donne dans la foulée 1, 2, 3, 4. Et ça va assez vite. Donc ça, la montée, soit on fait en gratte-gratte les deux, soit un hammer-on éventuellement. Ça peut fonctionner. Par contre, il faut regratter le Si à vide derrière. Voilà, c'est la principale difficulté du riff, hein, c'est d'arriver à enchaîner vite l'accord avec le riff. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et après de bien retomber sur Do. 1, 2, 3, 4 et... Ouais, le hammer-on, c'est pas mal. Ça permet d'aller assez vite. 1, 2, 3. Donc travaillez ça beaucoup. Soit avec le hammer-on, soit en grattant deux fois. C'est un peu comme vous voulez. Voilà, donc ça c'était le truc de près. Maintenant, plan large, et je vous montre un petit peu la version un petit peu moins soft. Alors donc, en plan large, voilà ce que ça donne, ce que je vous ai montré de près. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1. D'accord, déjà avec ça, on pourrait s'accompagner et chanter dessus. Imagine there's no heaven. Avec ça, ça marcherait. Si on veut ressembler un petit peu plus à ce que John Lennon fait au piano, on va plutôt faire des croches. Et là, j'aurais tendance à faire ça. 1 et 2 et 3 et... Alors, qu'est-ce que je fais? Je gratte l'accord. Le coup d'après, je vais regratter que la basse. Si on est en Do, je gratterai la basse Do. Ou la basse Do et la corde à côté. À la limite, c'est pas trop grave. Mais ce qu'il faut, c'est juste essayer d'avoir un contraste entre les aigus et la basse. 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche bien comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite le Fa majeur. 1. Alors là, pour le choix de la basse qu'on va doubler, ça dépendra de l'accord, que de la position que vous pourrez jouer. On a deux possibilités. Soit on fait 1. Et la basse qu'on rejouerait, c'est la note Fa sur la troisième case de l'accord de Ré. 1 et 2 et 3. Ou bien 1 et 2 et 3. Et là je joue la basse qui est jouée par le pouce à la première case là. 1 et 2 et 3 et... La basse grave est plus englobante que la basse qui est une octave au-dessus. Mais ça peut être rigolo d'avoir un tir groupé dans les aigus, comme ça de se passer de la basse ici. C'est comme vous voulez. Voilà, donc c'était la version un petit peu moins soft que la précédente. Déjà avec ça, vous savez faire un tiers du morceau. C'est formidable! Donc c'était intro et couplet. Donc maintenant la partie suivante, la partie B, ou la partie du pré-refrain, qui se passera ainsi. Nous allons retrouver le Fa. Bon, jusque là tout va bien, avec... Alors le Fa, voilà. Ensuite Fa, basse, Mi. Donc soit vous bloquez le gros Mi avec le pouce. Dans ce cas-là, c'est cette basse-là qui sera prise en considération. Donc l'accord sera Fa comme ça, après Fa, basse, Mi. Après Ré mineur. Après Ré mineur, basse, Do. Après Sol. Et Sol 7. Ça, c'est le pré-refrain. Alors maintenant, on l'habille. Alors avec la version 1 d'abord, en mettant sans alternance de basse, ça ferait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1,
C'est le passage où il chante. Comme ça déjà ça fonctionne, hein. Et on reprendrait le couplet. Maintenant, si on habille ça avec notre truc de tout à l'heure, 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2. Donc sur le ré mineur, je vais alterner avec la basse ré, hein, on prend la note de basse, la note fondamentale de notre accord. La note fondamentale, c'est la note qui donne son nom à l'accord. Si on est sur un ré mineur, l'accord de la note fondamentale, c'est le ré. Si on est sur fa majeur, la note fondamentale, c'est le fa. Donc je refais, parce que je digresse là, 3, pré-refrain, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Sur cet accord-là, j'alternerai avec la basse do, hein, la note qu'on a là, et ensuite le sol, 1, et 3, et 4, et... Voilà. L'autre possibilité sur le fa du départ, là, si c'est pas cette basse-là qui descend, eh ben, ce sera la grosse basse du fa qui deviendra mi. Et du coup, ça ne changera pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fa, tu t'es. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. Je chante en plus par-dessus pour que vous voyez. Avec la grosse basse, là. 3, 4. Imagine all the people living for today. Voilà. L'autre option que vous pouvez utiliser pour varier votre accompagnement, c'est de balancer une rythmique toute faite, une rythmique de main droite qui ferait 1, 2, 3, 4, on va, on va, pa, 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 1, 2, 3, 4, on va, pa, pa, pa. Je la refais moins vite. 1, 2, 3, 4, au bas. Après ces quatre mouvements, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Donc, la première partie de cette rythmique ferait 1, 2, 3, 4, haut. Et la deuxième partie, bas, haut, bas, 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 haut. C'est utile de savoir où est le milieu, parce que comme on a deux accords par mesure, on changera en cours de rythmique. C'est un petit peu plus chaudard, mais ça fait pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, haut, bas, haut, bas, haut. Seul dans sa mesure, et le sol 7, on le balance, on le fait durer 4 temps, c'est une ronde. 3, 4. Donc j'ai tendance à changer l'accord sur le premier retour qu'on rencontre après les 4 premiers mouvements. Donc dès que vous avez fait les 4 premiers, 1, 2, 3, 4, derrière vous balancez au bas, au bas, 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 haut. D'accord ? 1, 2, 3, 4, au bas, au bas, 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 haut. 1, 2, 3, 4, au bas. La mesure. Voilà. Alors une dernière fois, je chante là-dessus avec la rythmique. C'est quoi ce qu'il dit ? C'est dur à choper ça. Voilà, il me reste à vous montrer le refrain, on aura fait le tour. Putain, je suis content de moi, là, je crois que ça dure pas des heures, là, pour une fois. Alors, sur le refrain, on va trouver 4 accords. Les voici, le fa. Si vous connaissez le fa en barré, ici, ça pourra fonctionner, hein, également. Comme on n'est pas embêté avec les basses qui descendent, on est peinardos. Donc, soit fa comme ça, soit fa comme ça. Enfin, celui que vous connaissez ici, il n'y a aucun problème. Donc, on va trouver du fa. Si on le fait en version ultra soft, pareil, on aurait 2 coups par accord. Après le sol, après le do, et mi majeur, trop beau. Voilà, c'est là où il chante. You may say I'm a dreamer. Voilà. La version qui est un petit peu plus pianistique qu'on avait vue dans le couplet, là, c'est d'alterner les basses et l'accord. You may say.
d'abord l'accord et après la basse. Hein. Genre, accord, basse, accord, basse, accord, basse. Ou bien on balance la grosse sauce avec la rythmique qu'on avait là sur le pré-refrain également. Cette ligne qui fait Fa, Sol, Do, Mi, on l'aura trois fois de suite. Alors je vous la fais... Ouais, je vous la fais les trois fois, et puis la petite terminaison, et puis après il me restera juste à vous l'enchaîner, et ce sera fini pour aujourd'hui. Alors, refrain, 3, 4, et... Peut-être moins vite. Avec l'autre accompagnement. Pas encore. La, si, do. Et on relance le départ. La petite, je vous refais juste la fin là. Donc le fa sol normal, deux accords dans la même mesure. Alors là, j'ai fait un petit mix dans mon accompagnement entre le truc de pianiste là qui fait accord, basse, accord, et puis la rythmique globale. C'est autorisé aussi. Voilà. Alors, fa sol do pour le finish. Fin, on n'aurait pas de relance, mais pour revenir au couplet, il va jouer sol, troisième case de la corde de mi, après le la tout à vide, après deuxième case de la corde de la, la note si, qui nous ramènerait vers le do de l'intro. Donc ne vous précipitez pas sur cette montée de basse là, parce que souvent j'entends non, ce n'est pas de la country et tout. Le temps est assez, le tempo c'est ça, hein, tam, 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 tam. Donc ce qu'on joue à la fin, là, la petite montée, c'est sol. La, si, do. Ce sont des noirs. Sol, la, si, do. Et là, ce sont des croches. C'est pour ça que ça va deux fois plus vite. Donc, ne vous pressez pas sur la fin. Voilà. Et bah, je crois que c'est bon. Alors, bah, je vous l'enchaîne depuis le début. Et puis, ce sera OK. Voici le récapitulatif du morceau, en tous les cas, au moins la moitié. 3, 4, intro. Deuxième fois. Il commence à chanter. Refrain. Donc soit on garde le même accompagnement, soit on balance l'autre. Merci d'avoir aidé. Et recommence le couplet. Par contre, j'ai pas les paroles. Hein. Donc je cours. Très intéressant. Troisième fois, donc il continue à parler de la paix, de l'amour et le bonheur. Chez Walt Disney, ça existe. Et refrain, pré-refrain. Timber. Imaginons. Ah, n'importe quoi! Thank you.
et c'est reparti. Et vous recommencez le tout, et puis pour le finish, bah vous ne relancez pas la montée, comme ça, vous finissez juste. Pour le dernier accord, vous pouvez gratter plus près du chevalet, si vous voulez. Ça offre un petit son, genre, oh dis donc, mais d'où tu sors ça? Eh bah, de là, de cet endroit-là. Bon, c'est marrant, c'est des petits trucs de fin. J'ai fait un tout petit truc que vous aurez peut-être envie de rejouer, là, sur le refrain, justement, sur l'arrivée du mi. Voilà, rien de spécial. Je fais venir là-bas la tierce en hammer on. Comment je fais d'ailleurs? Et parfois je peux rajouter même le petit doigt sur la troisième case de la corde de si pour avoir un accord de mi septième. Je trouve que ça fait joli. Donc je prends ça en retour. Quand je fais mon hammer on, je passe ma main devant pour pas perdre mon aller-retour, pour savoir où j'en suis. 1, 2, 3, 4. Pas. Ouais, enfin. Quelque chose comme ça. Essayer de le prendre à la volée, c'est un peu compliqué de terminer tous les mouvements. Je fais très lentement une dernière fois et puis c'est bon. À chaque fois, donc ça va peut-être pas vous aider. Enfin, voilà, c'est un petit truc en plus que vous pouvez customiser à volonté. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle est la durée du cours, mais je pense que ça ne doit pas dépasser les 17 minutes, je dirais. Ce serait déjà un petit peu plus que ce que j'aurais voulu, mais bon. J'espère cependant que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Si vous écoutez ce message, c'est que oui. Donc, grand merci pour ça. Donc, allez visiter galagomusic.com et bientôt 800 000 visites sur le site, là, en genre 3 ans ou 4 ans d'existence, le site. Non, moins que ça. Enfin bref, en tous les cas, je trouve que ça commence à être bien. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Si vous souhaitez laisser quelques euros, vous pouvez le faire via le Galagoton. C'est dans cours gratuit. Vous trouverez voilà, un truc qui s'appelle Galagoton. Vous pouvez laisser quelques euros soit via PayPal, soit par carte bleue. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, si vous ne donnez rien, c'est pas grave. Vous laissez un petit message sur Libre d'Or, ça fera plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup, bonne guitare, bonne vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours sur le morceau Cendrillon. Voilà, avec la présence de Louis Bertignac qui désignera le vainqueur parmi les trois finalistes que nous lui enverrons. Voilà, c'est le petit truc un peu dynamisant. Oui, ouais, Louis Bertignac, le vrai, oui. Pas son cousin. Donc, vous aurez tous les détails sur la page Galagofan. Voilà, il y a Max et Nathalie qui seront là pour répondre à vos questions si je ne peux pas le faire sur le moment. En tous les cas, faites de la guitare, faites de la musique et... faites des trucs bien et envoyez-nous tout ça, on sera ravis de les écouter et de laisser des messages. Voilà, à très bientôt, ciao.